Bonjour à tous, donc souscrivez à ma chaîne YouTube Made in Dogecoin et ma page Twitter du même nom. Merci de partager et de liker. Bon ben, je suis content parce que ma prédiction d'il y a un mois, quand j'avais fait une vidéo à Morgat en disant aux jeunes d'acheter du Dogecoin pour leur retraite, et bien en fait il y a 500 compagnies américaines qui sont en train d'étudier un mix entre les fonds classiques et les cryptos, donc Bitcoin, Dogecoin, Ethereum. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que les fonds de retraite représentent aux États-Unis des sommes très très importantes. Alors la deuxième prédiction que j'avais faite et qui a l'air de se conclure, malgré que j'avais dit qu'il était trop vieux, mais qu'il fallait qu'il silence. Bon, Warren Buffett en parle, ça y est, il va investir dans les cryptos. On ne sait pas quel montant, mais ça vient rapidement. Donc là, actuellement, le Bitcoin monte, donc le Doge monte aussi. Alors, j'avais posé une question hier sur Twitter en demandant si vous pensiez qu'il y aurait un up ou une baisse ce lundi matin. Donc moi, j'avais dit qu'il y aurait une hausse. Je pensais un trading assez important. Et donc vous êtes 73% à dire qu'il y aurait une hausse. Donc là vous n'êtes pas trompé pour l'instant, hein, parce qu'on est à 5,95 actuellement. Et vous étiez 27% à dire que ça allait baisser. Bon, vous êtes trompé pour aujourd'hui. Donc là c'est une superbe nouvelle. Tout le monde dit que le up a commencé hier soir. On va voir où il continue. Donc tout ce mélange entre les caisses de retraite, Coinbase, Tesla, PayPal, BP, Amazon, bon tout ça, Mark Cuban, bon tout ça est vraiment de bon augure pour le Doge. Donc je pense que ça va monter. Alors moi j'attends 0,43, 0,48 pour après atteindre 0,73. Bon, moi je me suis renforcé tout le long de la baisse. Bon, là pour l'instant je fais rien parce que ça monte, mais je me suis renforcé depuis déjà une quinzaine de jours. Comme vous avez dit, j'avais changé tous mes bitcoins contre des Doge pour avoir plus de Dogecoin. Bon, je pense que j'ai eu raison. Parce que si le up monte, alors il y a beaucoup de spécialistes américains qui pensent qu'on arrivera à 1$ et prochainement, dans un an ou deux, on arrivera entre 7 et 8$. Donc c'est bien parti. Bon, bah écoutez, souscrivez à ma page. Donc je vais vous montrer où je suis là, parce que je suis en camping-car. Ça vous donnera un peu un endroit. Je suis au lac de Guerre-les-Dents. Regardez, je vais vous montrer, c'est sympa. Je me suis baigné d'ailleurs. Voilà, je suis garé de l'autre côté. En face, je ne sais pas si vous voyez. Très très sympa. Alors écoutez, ce que je vais vous dire, j'ai oublié de vous dire, ben, il ne faut pas oublier non plus que, ça je ne vous avais pas dit la dernière fois, je vous avais parlé des people d'Hollywood, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Warren Buffett gère des fonds de retraite. Donc ça veut dire qu'il va avoir une déferlante de fonds sur le Bitcoin et le Doge. Bon ben écoutez, souscrivez à ma page et à bientôt, bye.